parole à palais.com. C'est la culture du terroir qui a été mise en évidence à travers toute œuvre, monsieur. Parce que le c'est avec tambour, et le c'est musique racine, c'est trip nous, c'est entrailles. C'est nous-mêmes. C'est culture nous. C'est nous-mêmes. C'est pas de la musique importée, et c'est fondamental. C'est pas de la musique importée qui a fait promouvoir la culturation. C'est la musique du terroir, justement. Et je pense que c'est. Bon, ouais, et c'est ça. Samba Koudja, là. C'est ça, c'est oui, c'est ça. Alors, voilà ça. Même si tu vas mourir. Absolument. Il y a des dimensions que vous atteignez. Il oui, y a des dimensions que vous atteignez qui fait de vous un immortel. Oui, c'est un classique. Ouais, et il résistait autant. Et là, obtenu un classique, là, obtenu des caissies, là, obtenu des coupés cloués, là, obtenu des timano. Et moun sa va ka mourir. Quand on va proposer un côté, on va gagner vie à travers un vieux. À travers un vieux, vieux discours, c'est sûr que après t'es vivant, personne ne va jamais oublier que si tant que vous-même vous vivant, l'on passe son carnaval, Koudja, ou musique, que son texte, que si, c'est sûr qu'on ne va jamais oublier, donc on est que si, on est dans le que si, pas mourir. Même Jeanne d'Abdil, ça gagne deux semaines pour Fidel, Fidel Castro. Absolument, absolument. Moun sa va pas mourir, parce que vous m'acquittez. Tout à fait. Et Anel Alexis Joseph, la magistrature est en deuil avec son décès il y a 48 heures à New York. Vous êtes connu, monsieur? Je pas des amis, mais je connu, c'est pas la même génération. C'est pas la même génération quand même. Même je connu, monsieur, à travers la presse, ou bien entrevu une fait avec lui, l'entendre la parler. Et c'était un gros cadre dans le système. D'ailleurs, s'il était arrivé président Cour cassation, président CSPJ, mais là, sur le plan politique, nous sommes jetés en contestation. Oui, mais ça va retirer un parcours. Tout à fait. Monsieur, comme juriste, ni dans la compétence, ni tout ça. Donc c'est encore une perte pour le pays, parce que grand pile monde là a perdu. Et mine de rien, on va demander peut-être qui est-ce qui a peut remplacer là où il est vesque l'assuré. Il faut nous poser peut-être une question ça. Je veux dire, l'on perd une langue chatte de Bordus. C'est bon blague. C'est bon, je vais te lier. Et l'on regarde son gain, je veux dire, bon, bah, les fois, c'est personne, mais nous avons un gros problème dans le niveau ça. Et si on côté Haïti qui a relevé tête li, Haïti qui a investi, Haïti qui a qu'un tête li pour pas mourir, c'est de la culture. Or malheureusement, nous ne pouvons pas jouer l'État. Qui sensibiliser sur ça pour renforcer la culture, pour chercher talent, expression artistique, nous, pour promouvoir, pour très bien, fun, nous, bien. Nous pas jouer nous l'État quoi. Alors, France, ma frontière était avant pour là, lorsque nous pas jouer nous l'État qui pour encourager expression artistique, yo. Moi-même, qu'on constat que ma femme, pas sociologue, mais parfois m'a réfléchi sur le fonctionnement société, hein. On garde deux fêtes populaires que nous gagnons, le carnaval et la Noël. C'est deux fêtes populaires. Maintenant, nous sommes pays quand même de tradition chrétienne, même si nous n'en vaudons tout. M'a regardé combien de millions que l'État dépensait pour décorer en période de Noël. Combien de millions que société a dépensé pour nous décorer en période de carnaval. Qui t'aime prendre période de Noël comme nous dans Noël. Ah oui. Je nommé dans la zone métropolitaine, je regarde un app de Noël. Si vous allez devant Soger Bank, zone Delma 30, Delma 32, vous regardez un app de Noël qui peut-être coûte un million de gouttes. Oui. Si je regarde combien que société a dépensé pour nous décorer, et si nous avons accepté que c'est l'artisanat haïtien, si nous avons accepté, France, que c'est l'artisanat haïtien, à travers ça, il y a produit comme chapeau paille, etc., comme œuvre d'art en général, que si ça va à partir de l'artisanat haïtien que nous décorons pour la Noël, ou est combien de millions de dollars de perte de devises que nous avons évité. Ah oui. Ça veut dire que nous sommes pays qui fait des choix suicidaires. Ah oui. Nous fait des choix pour ne pas jamais avancer, nous fait des choix pour ne pas jamais développer. Ah oui. Moi, je prends exemple la Noël. Nous décorons pour des millions de dollars américains. L'État lui-même l'a décoré pour qu'on parle pour des millions de dollars et des millions de gouttes, par exemple, l'État, dans le sens gouvernement, au niveau des institutions publiques, palais national, les ministères, les directions générales, que n'a décoré pour la Noël, c'est des millions que ça coûte au trésor public. Eh bien, justement, ces dollars que n'a dépensé parce que c'est des produits importés que nous utilisons pour ces décorations. Par contre, on aurait pu encourager l'artisanat haïtien. Comment on voulait que l'artisan haïtien vienne performant si l'État n'a pas valorisé œuvre? Si nous n'avons pas même une politique pour nous protéger culture, nous, justement. Donc, c'est des questions fondamentales que nous n'avons pas accepter aborder. Mais en fait, qui aurait pu nous économiser. Monsieur politique, qui peut permettre de nous faire ça, parce que minimum stabilité pour nous gagner, pour qu'on aller pour débat de fond, ça a fait. Parce que comprennent bien, en pile fort, il y a des artistes qui peuvent voyager, des artistes haïtiens.
c'est pratiquement qu'est-ce qu'il y a fait. Zami, famille, monde qui connaît, pour bailler de goutte, pour acheter des tickets, etc., billets d'avion. L'État n'a pas qu'on existence, yo. Mais immédiatement, il arrive l'autre bord. Il a remporté trophée, il a vina en médaille, il a vina en prix. Son GB, l'autre jour là. Prix RFI découverte, c'était 2009 ou 2008. Je me rappelle, l'homme se pralé, c'était une grande difficulté. Et bien, l'homme se tourné à prix, depuis l'aéroport, ministre culture, il a récupéré, monsieur. Donc, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment triste pour le pays que c'est comme ça l'a traité et ressortissant les nationaux, le talent le gagné. Alors que justement, c'est des ambassadeurs, c'est des gens qui représentent nous, qui font des rapports à briller, monter 17 hôtels et aller à l'étranger. Ils ont bien représenté, ils ont fait parler bien de Haïti. Et pour jouer des nègres qui sont politiques, qui parlent le pays à un rien, qui a pillé le pays en pile fois. Voilà que haïtien yo même k'ap fait bien pour pays, k'ap fait parler bien pour pays, même si un cadeau immense ça yo pas ka joindre pour défendre la nation alors que population c'est ça l'attend. C'est très malheureux. C'est ça. Et nous pourquoi décider d'investir dans la culture qui c'est une gros force, une nan pi gros force, une nan pi gros pilier nous gagner si nous voulons penser à l'avenir. Absolument, d'autant plus que c'est notre identité de peuple justement. François Sévrin et agronome bon, monsieur Patito. Et la Kaili en pleine, 70 ans, monsieur Gon carrière au sein de ce secteur qui est assez riche. Il a été ministre, bon, je pense que c'est deux fois, mais il a rapporté que c'est cinq fois. Il a été chef du cabinet particulier du président Aristide, chef du cabinet particulier du président Préval. Son monde qui produit des ouvrages sur la richesse nationale, sur vertu que Platio gagne, tout ça. Donc c'est une grande figure de secteur ça qui est parti. Naturellement, monsieur Pat Potel bien et monsieur était cloué sous cabane depuis 2008. C'est une quoi agronome Arnaud Sévrin qui c'est frère lui et qui t'a témoigné de parcours qu'aucun jeune garçon ça qui quittait nous. Donc en pile dessin, mais franchement toujours dit même si moi-même dit que m'tarais même mourir à 120 ans, moi quoi que mon camouri à 120 ans, mais l'hérité est une loi fondamentale de la nature. Tout naît, tout vit, tout périt. Donc la mort, c'est l'autre facette, c'est l'autre face de la vie. C'est comme une pièce de monnaie. Tonton palmiste, tonton n'existe pas sans palmiste, et palmiste pas existé sans tonton. Donc pièce de monnaie en lui-même. Ça veut dire, bon, il y a un monde qui allait plus loin qui dit que c'est sous fumier la mort que la vie poussait. Pas voulu mourir, c'est fait pour pas fait. Et oui, c'est ça. C'est ça. Et bon, l'autre, et sous pas voulu vieillir, c'est embêtant, mais c'est la seule façon de vivre longtemps. Tout à fait, tout à fait. Donc il n'y a pas à sortir de là. Oui, tout à fait. Donc c'est. Ou d'ailleurs, Guéon Thèse, c'est Paul-Antoine, faculté sciences humaines en 95-96 qui t'a pressé développer la veine. Il dit c'est sous fumier la mort la vie poussée. Professeur théorie des communications. Tout à fait. Il dit c'est sous fumier la mort la vie poussée. Au moment de l'acte sexuel qui permet ou la jodi en un moment vérité, il y a 43 ans, si c'est 43 ans, hein? Moi, vous augmentez l'âge, vous pouvez m'aller. Non, ah, pas fait. Vous connaissez, on va vivre longtemps. Vous, hein? Très longtemps, très longtemps. Ok, c'est ça. Au moment de l'acte sexuel, si des centaines de milliers de spermatozoïdes ne pas accepter de mourir, là où chuter pour permettre yon grain spermatozoïde à le faire ovulation. Tout le monde qui chute ou mourit. Ah, mon choix bien passé là. Ça veut dire que c'est sous fumier la mort que la vie poussée. Oui, oui. Ces centaines de milliers de spermatozoïdes ça yo, qui régressent, qui chutent, qui arrivent à traverser et espace qui permettent que ovulation en fait là. Pas t'accepté ou pas t'as fait, non. Ça veut dire que c'est sous fumier la mort. Yo mourit pour bailler la vie à eux-mêmes. C'est qui même dit que la mort va exister et tout se transforme. Oui, tout à fait. Les théoriciens qui croient que la mort va exister. Tout à fait. C'est souvent même exemple pour ce décrit-là. C'est exactement le cas. Et Jessica, d'accord avec monsieur Damsoud. Moi, saluez-nous, pas un problème, Loti. Moi, pour mettre une petite des autres, ça. Moi, saluez-nous. Merci un peu. Ok, c'est ça. Alors, Fouane, c'est ça. Les funérailles de Judy Sewa, c'est à l'instant, à l'église Saint-Pierre de Et tout à fait. Le mouvement patriotique pour le renouveau national qui a plaidé pour ne pas changer le monde, mais en changer le système. Donc, et c'est malheur, non, justement. Tout à fait. Et si nous plus combattre le monde, nous plus combattre grain monde ou bien groupe monde, mais nous pas un système qui a produit le monde qui j'en pour nous agir sur lui, pour nous changer, pour le produire l'autre monde au fur et à mesure, pour nous faire des résultats. Malheureusement, beaucoup arrivé là. Ministère Femme Tout, occasion pour nous saluer.
Madame Claude, hein, la ministre à la condition féminine, probablement qui a fait passer après funérailles, qui a fini tout à l'heure, il a pris un dernier hommage bien mérité à Famza. C'était une femme de conviction, une militante, et c'est une femme, c'est une tête bien faite, hein, qui était détentrice d'un doctorat et qui était connaît économie bien, qui connaît élaborer des politiques économiques. C'est une femme, nous croyons que c'est une grande perte pour la société, le départ de Judy Seroy. Justement, mais je ne dis là, la mort, c'est la phase incontournable de la vie, justement. Ah oui. C'est ça. Eh bien, France, moi, mes photos profil ouais. On ne va pas en parler. Ça n'est pas profil là, mon Dieu. Ça, c'est, ouais. Ça, c'est screen. Vous regardez les gens, vous voulez. Vous connaissez pas fort. Ça est écran téléphone. En tout cas, ça va retirer dans mon gueule. Je connais. Pas de problème. Ok. Et le dossier électoral France, et bon. Alors, avant de revenir dans le dossier électoral, il faut dire que notre collaborateur à Bon Signal, Loco Désir, a été traduit en justice en début de semaine par le directeur général du Conatel qui parlait de questions de diffamation. Moi, je pense que c'est un bel exercice et moi, avoir été fait ce débat, ça a un problème avec un journaliste. Ça qu'arrivait que journalistes la font erreur, ça qu'arrivait justement, même penser que la loi trace ces procédures-là. Donc, c'est pas vrai que journaliste a nous fait nous pour servir, ni payer yon monde pour aller t'en souffler. Mais si n'a pas parlé de démocratie, il faut nous une culture de la tolérance. Donc, les délits de presse sont des délits de droit commun, passibles de sanctions, si. Où il veut prouver des liens, si des liens y en a, justement. Donc, je pense que c'est un bel exercice. Loco s'était fait accompagner de équipe avocali et direction générale, t'es présent, et nous-mêmes, nous t'es accompagné Loco dans le palais de justice, dans le cadre d'exercice démocratique, ça. Et je pense que nous ne pouvons pas le camper là, vous nous dites que Jean-Marie Altema avait tort, Loco avait raison. Quitter la justice, fait travail, parce que de plus en plus, faut accepter quitter l'institution, fait travail. Et ces drames, ça en a vivre depuis 1986, la chute des Duvalier, n'a pas assisté à une désinstitutionnalisation du pays qui fait que tout se règle dans la rue. Donc, on acceptait que la justice fait travailler, justement, dans le cadre de tout dossier, dont ce dossier que n'a parlé de Lila. Ah oui, c'est important, et c'est important parce que quand même, si n'a dit, si n'a pas les démocraties, et un minimum tolérance pour nous gagner, il faut nous respecter institutions, notamment la justice, ou qu'il y a un problème à un journaliste qui est méchant, et ça qui arrive, ça qu'on arrive, ou bien qui dit on va gagner, estime que pas ça, ou bien qui diffame, ou capable de la justice, ou retrancher question, si il y a une sanction, le prend, et si pas gagner, le cas tout pour ça, ça a retranché et puis tout le monde continue à vaquer activité professionnelle. Yo. Mais question menace, attaque, intimidation, ça yo, nous fait yo, tout le temps. Il n'y a pas mené personne à quel côté. Surtout dernier moment à Haïti, ce passé là, yo. Bon, bon journaliste qui mourit et pour une justice jusqu'à aujourd'hui, il y a l'autre qui a attaqué. Est-ce que y a un problème qui résout? Il n'y a pas jamais qu'à tuer liberté la parole parce que trop monde mourit pour ça. Son acquis qui va faire bac et à qui ça a créé liberté la parole là. Ou attaque un grand monde ou un média, etc. dans l'exercice et profession ça, mais on pas privé, tuer la parole parce que liberté la parole là, l'ila, l'avancée, l'abjamin. Donc le Loco Désir, aujourd'hui là, tu fais déplacement et la justice vient pour prononcer une prochaine fois sous question. Hein. Loco Désir qui a bien animé Bon Signal, son antenne Signal, et directeur Conatel l'a estimé, tu as une diffamation, tu as une menace. Bon, mais elle va t'en mesure répondre et menace. Oui, c'est difficile, j'étais en grande difficulté. Nous souhaitons que la justice fasse couler et que le dossier a tranché, et Jean Roule tranché selon les règles selon les normes. Mm-hmm. Donc c'est l'occasion pour nous saluer toute équipe et Bon Signal là qui a fait un bon travail sous Signal. Tout à fait. Et avant d'entrer dans la question électorale là pour nous passer à inviter aux fans, ou soit faire allusion à liberté d'expression, très certainement, ou va tout entrer sous, alors, 10 décembre 1948, son Godat, Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est un droit fondamental de la personne humaine, le droit pour exprimer librement par la voix qu'on choisit, pourvu que voix ça a, et pas une voix qui est contraire à la loi, etc. Voix, droit qu'on gagne pour répondre toute opinion qu'on gagne justement dans le cadre de la loi. Donc 10 décembre 1948, m'tava dit
On a parlé de universalité des droits humains, donc c'est une date fondamentale. Là, on a parlé de première génération des droits de l'homme, les droits civils et politiques, même si nous connaissons que les droits humains, j'ai été dit avec Invito hier, les droits humains sont totaux et globaux. Il y a aussi les droits économiques, les droits sociaux et les droits culturels. Et chaque fois où on attaque Yon, c'est un coup, c'est une chaîne. Donc, pour déranger, c'est tout un corps que lié. Donc, hier, je t'attendais dans la rubrique L'Invito, tu recevais un jeune avocat militant de droits humains, Maître Merzius, justement, qui t'a parlé de l'importance question droit de l'homme dans rien. Et je dis, hein, les vignes, un phénomène irréversible, en ce sens que de 90 à aujourd'hui, il y a 30 ans, c'est certain que nous assistons à des dérogations, à des tentatives de bâillonnement de la presse. Oui, pendant ces 30 dernières années, nous sentis ça, mais c'est tout aussi certain que ils ont tout voué à l'échec parce que liberté d'expression, vient imposer dans la société, son acquis démocratique que lié, que population pas cédé, d'autant plus que liberté pour parler, ils ont considéré comme la mère de tout, de tous les droits. Ah, en ce sens que c'est à partir de ce droit qu'on a exigé respect l'autre là. Justement, quand votre droit à la santé est garanti, il faut qu'on ait une possibilité pour exprimer ou pour pour contester le non-respect de ce droit à la santé. C'est ça qui représente la liberté d'expression, la liberté pour parler, c'est comme moment, la mère. C'est toute l'autre liberté. Ah, absolument. La liberté et la parole menacée, toute l'autre liberté publique est en danger. Oui, c'est bon, c'est Jean, et Radio Kiskaya a dit l'occasion pour saluer Liliane Pierre-Paul, bon, quand même, qui sont un gros mapou dans la presse haïtienne. Nous saluons tous les journalistes qui branchaient, moment vérité, nos consoeurs, de confrères de Radio Télé-Zénith, de Radio Caraïbes, de Métropole, de Scoop FM, en pile confrère, hein, de Radio Galaxie, Mélodie qui branchait et Moment Vérité France. La question électorale, rapidement, avant d'arriver à inviter eux, la question électorale, eh ben, et BCED, sans surprise, là, nous, les décrets électoraux, a déclaré incompétent, et pour l'étendre, on avait dit contestation qui prononçait devant lui par trois candidats. Les trois candidats qui suivent Jovenel Moïse dans les résultats préliminaires publiés par l'institution électorale, à savoir la paix, Petite Dessalines et Famille Lavalas, qui contestaient les résultats sérieux, BCED, et Bureau électoral contentieux. Le contentieux électoral départemental. Très bien, Bête l'Ouest 1. Eh bien, Wally Desens, ils ont estimé qu'ils n'ont pas compétents. Et maintenant, voie de recours, c'est le BCEN. Et Deléa, si je ne me pas trompé, m'a fini lundi à partir de 8h, 72 heures après la publication. Donc, monsieur, pour aller dans BCEN, dans la seconde que nous parlons, voilà, c'est batterie, monsieur, qui a mobilisé, et pour qu'il y aille dans BCEN, parce que question pour recompter pour ces verbales, question pour retourner dans cette tabulation, hein, eh bien, c'est seulement BCEN, OK, Bureau du contentieux électoral national, qui gagne compétence à au regard du décret électoral en vigueur. Ah oui, juriste qui remet latin en pilio, et c'est sous base rationnée matériae. Oui, tout à fait. En raison de la matière. BCED n'a pas compétence cette matière. Très bien. Puisque les partis qui contestataires ont demandé pour aller vérifier l'état de margement par rapport à procès verbal. Liste de margement par rapport à procès verbal. Donc BCED n'a pas compétence à niveau ça. Il déclare ça. Et dossier a rapidement transféré au niveau du Bureau du contentieux électoral national, BCEN, côté avocat, a déjà pris disposition. Et que là, loi prévoit pour aller plaider ou l'autre fois pour tribunal là décider, et c'est à partir de ça nous allons gagner et nous allons arriver petit à petit vers résultat définitif élection qui prévoit pour 29 décembre 2016 Gabine là je dis en déjà 10 donc dans environ 18-19 jours, nous avons gagné résultat définitif et élection 20 novembre, mieux qu'on connaît. Et une parenthèse qui est vraiment important, faut que moi profiter fait sous question ça, parce que hier il estimé ancien sénateur Moïse Jean-Charles, candidat à la présidence Petite Dessalines, était révélé le très méchant, accident à l'effet, mais on l'autre fois, il a déclaré sous Vision 2000, et que dans le résultat, nous avons bail qui était affiché dans le bureau vote et joué élection 20 novembre, que il y a des bureaux, nous avons bail même chiffio plusieurs fois, pour la simple et bonne raison que le candidat PHTK était devant. Donc, estimé que c'est très méchant, sénateur Moïse Jean-Charles qui fait ça, c'est pas sérieux, parce que tel ne fut pas le cas.
Et nous pas de chambre qui parle comme ça du tout, sénateur. Et c'est vrai, au cas, on dit j'en manque lucide, au cas, pas qu'on pourrait vous digérer des fêtes politiques, et par contre, on est qui ça qu'on motive. On ne parle pas, faut nous pas. Donc, sous base résultat gagné, on ne parle pas de défaites. Non, mais sont des fêtes liées. Puisque. Il faut des fêtes parce que. Non, les défaites, Peggy. Sous base résultat, on le fait. Non, résultat, il n'y a pas de si monde qui est président. Non, et, non. Et c'est confusion. Ça an, c'est justement ce qu'on dit, il y a de confusion. Yeah. Parce que bon résultat. Non, maintenant qu'on y a là, quand il y a un changement, si contestation yo révélé la loi, oui, même pas capable de respecter. Mais sous base ça n'a pas dit là, nous avons dit son défaite pour lui. Puisque le pas fini en première position, le pas fini en deuxième position. Son défaite pour lui. Bon, je ne pas dire ses défaites. Non, moi je dis son défaite, c'est moi qui dis. Ok, ou quand ça fait me dire, je ne pas dire. Non, mais Peggy, c'est moi qui dis que les aïe, moi qui dis. D'accord, c'est moi qui dis, mais pas pour tes précisions quand même. Bon, et Michel Martelly était sorti troisième ou quatrième. Non, même élection sorti troisième ou quatrième, non, il est venu président là-dedans. Aucun rapport. Non, ça veut dire. Aucun rapport. Justement, c'est ça que fait me pas parler de défaite. Non, mais pour l'heure. Ça arrive, monsieur, au cas des pays, à ça que tu es quatrième, dans une dernière. Bon, il y a planifié pour ça. Ça arrive, c'est en Haïti. Bon, en tout faut nous clair, faut nous battre toute réalité à Jean-Yéa. Mais ça me voulait dire qu'il est important, ou pas de faire mentir pour raison politique. Ouais, pas jamais de bagaille comme ça du tout. Et nous faisons travail, nous, jeunes, des îles. Nous pas besoin de retourner sur ça professionnellement. Reporter, on est gardé ça qu'affiché, hein. Donc, sénateur Maurice Jean-Charles, pas de bien ça du tout, ça dit, du tout, à aucun moment, question bah même chiffre pour plusieurs bureaux, pas de gambaille comme ça. Okay, mais c'est très méchant et de la part du sénateur Maurice Jean-Charles, mode d'attitude ça yo, l'autre dit qu'on voulait diriger, l'autre qu'a voulait considérer l'histoire considérer autant qu'un homme d'état ou pas fait ça. Ouais, ou renseigner ou prendre information yo, ou qu'on n'a pas d'accord, ou qu'a toujours émettre une critique, tout le monde émettre opinion yo, mais aller au mensonge politique li pas acceptable, li inacceptable. Nous inviter sénateur à ressaisir parce que encore une fois nous mêmes nous continuer font travail professionnel sans voyer monter, sans passion, n'intérêt intérêt personne. Et depuis qu'il y a élection, nous pas besoin qu'on ait négac femme qui devant n'a fait travail nous professionnellement. Cool. J'en signale toujours fait encore une fois déplorer et attitude ancien sénateur Maurice Jean-Charles sous question ça. Bien, alors réaction sur ça c'est que alors d'abord sénateur Maurice Jean-Charles société a connu comme un homme de conviction. Sénateur Maurice Jean-Charles, si c'est alors j'ai pas entendu les déclarations sur Vision 2000 mais puisque vous partagez la même moi quoi à 100% et honnêteté France n'a pas qu'à mettre en question. Donc, et que Valérie Numa confirme même. Ouais, dès qu'on dit, c'est fini. Donc, moi, je pense que si c'est. Bon, je base que le deal, puisque vous confirmez que le deal, là, je pense que c'est travail une mauvaise consultation, que le sénateur a peut-être à recevoir. Parce que le sénateur Maurice Jean-Charles, c'est avant tout, il y a un ami, moment vérité, et qui, à chaque fois, nous. Non, ça veut dire moins quoi que ça dit vrai pour qu'on dit moins vrai quoi que le candidat à la présidence de Petite Dessalines aurait été mal conseillé. Mais là encore. OK, c'est ça. Là encore, en quoi nous sommes responsables. Et, écoute, m'a dit responsable. Non, permets que je termine. Même si nous a considéré que le t'a mal conseillé, mais justement là recevons information vu fragilité son c'est travail une équipe professionnelle dont Peggy Jean. Ils ont remis en question la consultation. Absolument. Pour petit recul, pour vérifier. Non. Je parle de sénateur Maurice Jean-Charles. Si l'État mal conseillé, j'en dis là, l'on joue un conseil. L'État mal conseillé. Vous voulez dire que ça va arriver. Information comme ça. Avant de prononcer le souligne, il faut l'assurer que ça le vienne dans l'hiver. Je vais exprimer position pour l'auditeur. Bien entendu. Et m'obliger à reprendre, dit que sénateur Maurice Jean-Charles, selon moi-même, il fait partie de rares hommes politiques de conviction que nous gagnons actuellement sous scène. Candidat à la présidence. Maintenant, si le sénateur a dit ça, et comme vous-même vous confirmez que le dit, même si je ne suis pas de parce que seul parti me tendait dans la déclaration dans la vision 2000 matin, c'est parti côté la critiquer violence qui caractérise le mouvement,
il dit que un jeune qui gagne cap touche 20 000 gourdes qui gagne vite qui pourra l'obliger prendre salaire pour l'acheter en vite machine ça grave c'est séquence ça que vision 2000 passé matin que moi même m'entendais avec deux oreilles moi ça veut dire si pendant Moïse Jean-Charles dit ça excusez-moi pendant Moïse Jean-Charles dit ça c'est une manifestation petite de Saline oui bon manifestant qui éteint nos cigarettes sur son caméraman télé signal dès que ça n'a pas parlé. Pardon de Moïse Jean-Charles dénoncer ça. Bon, de toute façon. Peggy, même vraiment pas conseiller. Non, France. Vous pas besoin de conseiller. On va aller voir l'avocat du diable, très sincèrement. Permettre que je finisse. Non, permettre que je finisse. Même vraiment regrette que vous entrez là. Très sincèrement. Bonjour, bye, France. Très sincèrement. Bonjour, bye. Michel Martelly. Michel Martelly. Président de la République. T'es dit un journaliste pour aller faire mon chambre, pour aller sous même cabane. Pour lui poser les questions. Que ne t'es condamné. Je ne termine pas. M'bate ouais, go tout le que t'es fait à ça. Moi, m'dé l'âme de nos pays, ya. Ok? Non, mais tout le monde est condamné, lui. Écoutez, c'est pas vrai. Tout le monde est condamné. Bonne fini. Moi, Jean-Charles, c'est un homme de conviction que en pile monde, en pile respect pour lui. Moi, Jean-Charles, son ami, moi, en vérité. Il vient dans le moment vérité en pile. Si m'insiste pour me joindre là, je vais joindre lui. Pour lui clarifier ça, le disant que moi, je n'ai pas de chance d'entendre. Moi, je doute fort que si moi, Jean-Charles, dit un bagaille comme ça, parce que je crois que le signal dans cette retransmission, pour moi-même, a été correct. OK? Naturellement, il y a des confusions qui ont toujours faites, mais le signal a été correct. Maintenant, si moi, Jean-Charles, il y a une mauvaise consultation, qui permettent... Ça, ils sont supposés. Oui, ils sont possibilités. Oui. Et ça, quand je dis, qu'a gagné. Attention, France, c'est ça que je mettais bémol. Qu'a gagné. Il y a une mauvaise consultation qui a mené à une conclusion pareille. Mais Moïse Jean-Charles, que nous connaissons dans le moment vérité, il n'a pas gagné Imaza, il était un ami au moment vérité. C'est ça que je voulais dire. Mais dès qu'on dit un bagaille, on connaît si bon premier monde pour me croire. L'obligé vous-même. Non, pas de problème. Yeah, c'est ça. C'est des déclarations regrettables. Ok. Oui, ça c'est atteint. Et micro-signal, sénateur Moïse Jean-Charles Gonza. C'est certain. Yeah, toujours l'ouvrir, ni pour lui, ni pour tout le monde, pour nous parler, pour nous faire débat. Oui, mais pour un minimum éthique qui pour gagner, parce que c'est des professionnels qui travaillent dans des situations difficiles. Moi, je ne peux pas accepter en aucun cas. Même et au moins, écoute, je toujours critique. Mais question mensonge ou bien attaque. C'est pas ce type de parole, ça, qu'on mène en violence, Peggy. Parce que ou dit tout en ami ça le commandement mortel dans là où il y a pas une capacité analyse pour le faire ça n'a pas fait là où mais comprenons ensemble des situations complexes c'est leader ou l'attendé c'est dirigeant ou l'attendé et message responsable leader a véhiculé les fondamental c'est pour mettre un bémol c'est pour lucide c'est pour calmer la foule mais laissez yo même sans pas une bonne information peut-être j'en dis ou bien choisir méchant de par eux même non, 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 mais dans même interview ça dans même interview donc ça donc c'est important et dans même interview ça que me tendez quelques secondes là dans le sénateur Moïse Jean-Charles condamné violence qui fait dans la rue les condamné violence qui fait dans la rue donc il rappelé que un jeune qui a touché 20 000 gouttes qui est obligé à prendre 20 000 gouttes que l'a touché à acheter une vite machine c'est grave donc ok pas de problème. Nous pouvons venir inviter au fond si nous n'avons pas grand chose encore pour nous dire. D'autant plus que invité au commencer défiler en studio. Eh bien, nous avons sur Facebook une analyse d'un citoyen que nous avons pile appréciation pour lui. C'est agronome William Michel. Et puis Facebook était identifié. Alors, il t'a parlé de deux gros émissions. Les samedis qui kembe tout écoute là, mais en politique, yo, tant comme d'avadou, on envahit espace là, on sort d'intoxication. T'es gen moun qui te mal comprenne à l'analyse. Il a dit non, c'est pas samedi, etc. Et puis m'a suivi, et puis m'a estimé le nécessaire qu'on invite agronome William Michel. D'autant plus que gagné en pile décès, dont celui de l'agronome François Séverin, qui sont grandes figures de secteur ça, et justement que n'a pas reçu voilé. N'a gagné ancien président chambre députée hein, François Robert Mondé qui avait nous et nous pourrons faire débat avec lui n'a un représentant de la paix de Jude Célestin n'a un représentant de Petite Dessalines qui a pas avec nous dans débat n'a gagné M. Jacques Séu Joseph ancien conseiller électoral je dis à qui plus a milité dans le secteur droits humains hein, M. Jacques Séu Joseph Tadoué est arrivé incessamment
Et puis, nous avons gagné un sénateur, Yuri La Tortue, qui t'a doué avec nous. Et nous avons gagné un représentant du PHTK pour nous faire débat ensemble. Moment vérité. Parler de Kenton Louis. Et en principe, Rinald Luberis t'a doué font intervention tout dans l'émission, notamment pour monsieur parler de Livlia et la pavante signature, m'koué après-midi dans la réserve. Et la paix font passer dans le moment vérité matin et Rinald Luberis. C'est ça, avec le panel que nous annonçons là, nous pourrons faire débat. Nous proposons seulement de quelques secondes. Au retour de la pause, nos invités pour commenter l'actualité. À tout de suite. Olapalais.com.